frère Benjamin Toumba. Mema ndiweni wa baluma Benjamin Toumba. Et je voudrais d'abord dire aux itinérants qui passent ici. Je suis leur grand frère, c'est moi qui ai passé ici auparavant, quand ici il n'y avait rien. On prêchait ici. On priait ici. On priait ici, là où il y a les révérends ici. Et la pluie nous frappait avec mon pasteur ici. Okay, ils doivent me demander les secrets, je vais leur dire, je connais. J'étais très loin à Lubumbashi où j'étais dans les champs missionnaires. Ils m'ont appelé pour dire que c'est l'anniversaire. J'ai dit que je ne manquerai pas. Malgré les avions étaient difficiles, mais j'ai dit je serai là. Alors ce soir, vous allez voir les dieux de Branham sortir de l'histoire. Je suis ministre au tabernacle de Mbujumayi. Je salue tous les frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Ressuscité. Vous avez 2 points sur 10. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous avez ne fût que 8 points sur 10. Ah, non, yes, 8 sur 10. Il est vivant. Il est ressuscité. 10 sur 10, que Dieu vous bénisse. Ah, non, je peux dire ça, Dieu, que Dieu commis. Zandian Vénécha. C'est Saint Paul Kayemba David. Mouenou Abelouma, mon Saint Paul Kayemba David. Le ministre de l'Évangile. Mouyeshiwa Evangelio. Frère de Goshen Tabernacle. Wanel Wamgoshen Tabernacle. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire ce soir. Même Chelen Inseka Yabouni, y'a même Kwela Mabedi Loloji. Parce que le défendeur va prendre la parole ce soir. Bonjour. Mon tout égale mon cou, mal au cou, mais sans doute mon cas, vous n'y gagnez pas. Que Dieu vous bénisse. L'angle de ton essai. Oui. Vous avez trop parlé ici. Les gens ne vous connaissent jamais. C'est votre Dieu. Plus fort. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est pasteur Elim Punga. Pasteur Elim Punga. Pasteur du carrefour des anges tabernacle au niveau des Simis. Non loin des 107 tabernacles. Pasteur Wamu Carrefour Tabernacle, Momonaka Abouine Kusimisa Abouine Kelezie wa 107 tabernacle. Des fois, j'ai commencé avec vous ici. Vous ne connaissez pas les noms, vous allez dire, qui est cet homme? Mais ça me goûte, je m'en suis dit, 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 je m'en suis dit. C'est ça mon nom? Et je suis dans la joie de vous voir ce soir. Et de voir aussi les hommes de Dieu. Il reste que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai 2 personnes à ma réserve. J'ai 2 personnes à ma réserve.
Lina va se présenter ici. Mais l'autre, rendez-vous le dimanche. Amen. Amen. L'une va se présenter maintenant. Et l'autre, ça sera pour le dimanche. Et pourquoi? Avant de l'appeler, je dois inviter d'abord le conducteur chant. Il va nous entonner deux cantiques pendant que les actes vont circuler les paniers d'offrandes. Et c'est à ce moment-là que l'autre serviteur de Dieu là va apparaître à la chair pour se présenter. Amen. Amen. Oh,
Ce soir, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons d'abord la présence de tous les hommes de Dieu, les habitants de notre Dieu. Ils sont tous ici pour honorer ces réunions de campagne. Et saluons toute l'église Gospel Pulse Tabernacle. Tout dit tout ce que l'église Mujima ou Gospel Pulse Tabernacle.
ainsi que son pasteur, le révérend Neville, ni Pastor Wenda wakuneme kibwa Neville, qui ont fait avec tous ceux qui sont en eux en fait de rendre possible cette action évangélique. Badi benza ni mwabu monsu ni abu maji tatishi ni jabu didi fila ni bionsu bifobu nabi kubianza bwani chibilwe chimona mwakwenze kanungu. Et nous saluons tous les croyants des différents tabernacles de la périphérie qui sont venus pour soutenir ces manifestations avec leur présence. Nous n'allons pas manquer tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur notre chaîne YouTube en direct. Partout ils sont, que Dieu les bénisse richement. Nous allons d'abord enfin saluer nos invités qui sont les personnes les plus chères, les plus importantes pour nous pour cette soirée. Qui sont venus, qui ont reçu une invitation, un papier, non, ils sont venus pour répondre. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu une fois parler du message qui sont ici? Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer, les saluer? Ce sont les personnes les plus importantes pour nous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Et sans plus tarder, comme il est 16h35, le temps est déjà fort avancé. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Nous sommes des kamikazes. Nous allons nous tenir debout. Je commence déjà à écouter mon message. Nous allons lire pour ce matin dans Genèse chapitre 19. Je vais rapidement au verset 22 en sautant d'autres références pour que peut-être dans 25 minutes je puisse terminer mon message. La Bible dit ici: hâte-toi de t'y réfugier. Ça, c'est la version Louis Zekon. Mais la version Darby, il est dit: hâte-toi de te sauver là. Lubakana. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Maintenant, alors que vous êtes assis, nous prenons le second passage. Nous sommes dans Luc chapitre 23, verset
39. On commence à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Merci Seigneur Jésus pour la lecture de ces quelques portions de l'écriture. Où elle est pour ton peuple et pour nous tous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Est-ce que vous êtes à la joie? Le grand sujet qui va couronner ces réunions de campagne, et qui commence à partir de ce soir, ces campagnes, s'intitule Hâte-toi de te sauver là. C'est le sujet qui a été donné par notre pasteur Neville. Il a été inspiré de pouvoir donner ce sujet comme thème de cette campagne. Donc dans ce sujet, c'est un sujet qui peut prendre tout. Et on ne peut pas le terminer en un seul jour. Même si nous prêchons autant d'heures, mais on ne peut pas le terminer. C'est pourquoi ce soir, je voudrais seulement prendre juste un petit quelque chose qui va nous aider à voir comment Dieu traite avec nous. Hâte-toi de te sauver là. Vous savez, l'expression hâte-toi de te sauver là, non, ce n'est pas ngakwil, mais c'est une allocution. Hâte-toi de te sauver là. C'était juste un message de l'ange. Un message qui avait été adressé à Lot. Juste avant la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Avant qu'un jugement s'abatte sur un peuple, Dieu a toujours envoyé un avertissement. Il n'y a pas d'avertissement sans jugement. Et avant que le jugement se s'abatte, Dieu envoie cet avertissement. Et Dieu travaille toujours avec des anges pour donner des messages d'avertissement. Es-tu avec moi? Je travaille toujours avec des anges. Dans chaque âge, il y a toujours le ministère des anges. Non, le ministère des anges. Et le terme ange, ce terme traduit un mot hébreu, malhak.
Udimwigala ukudimuna mwako achine ebelwa makhaka. Malhaka. Malhaka. Ce qui veut dire messager de Dieu. Chini chumvise ni mutumani mukenji wa nzambi. Ou soit un envoyé de Dieu. Esi mutumibo wa nzambi. Et tout envoyé de Dieu. Mutumibo wa nzambi yozo. C'est un ange. Mwangelo. Est-ce que vous dites amen? Nore nomba amen. Et frère Branham dit, un pasteur dans une église locale, il a un envoyé de Dieu. En d'autres termes, il est malhaque. C'est-à-dire, il est l'ange de Dieu pour ce peuple-là. Attention, ne jouez pas avec votre pasteur. Votre pasteur n'est pas votre ami. Pasteur, wenu ki mulundo wenu to. Dites amen. Amen. Dites un grand amen. Même s'il est moins âgé que vous, respectez-le comme tel. Sinon, derrière ce que tu fais, il y a un jugement. Gospel Tabernacle. Gospel Pierce Tabernacle. Respectez votre pasteur ici. Même s'il est moins âgé. Je ne regarde pas à l'âge. Paul a dit à Timothée. Paul a dit à Timothée. Ne méprise pas ta jeunesse. Ta jeunesse. Et qu'on ne méprise même pas ta jeunesse. Prêche la parole avec droiture. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec droiture. C'est-à-dire orthoméo. C'est-à-dire vous marchez sur un fil. Vous le tombez ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire ne faites pas de compromis avec la parole de Dieu. Donc le mot ange veut dire envoyé ou messager de Dieu. Laissez-moi vous dire mes frères et sœurs, trop souvent comme nous l'avons appris de nos aînés catholiques, Nous pensons que l'ange c'est juste une forme mystique comme ceci. Non. Je veux dire qu'il y a deux sortes d'anges. Il y a des anges célestes qui sont en fait une apparition ou une manifestation divine. Et des anges terrestres qui sont des hommes envoyés par Dieu. Des anges terrestres. Baluma, bantu, barinzambi utumani mudimu aliense. Envoyé par Dieu comme des messagers. Et laissez-moi vous dire ce soir, entre un ange céleste et un ange terrestre, c'est l'ange terrestre qui a plus d'autorité. Est-ce que vous pouvez dire amen? Du temps d'Abraham, là nous sommes dans Genèse chapitre 18. Réinterprétez rapidement, hein, nous gagnons le temps. Pas vous tergiverser comme vous le faites. Du temps d'Abraham, il y a eu trois anges qui étaient venus chez Abraham. Ces anges-là étaient des hommes. Qui sont venus chez lui et à qui Abraham a offert un repas. La Bible stipule dans Genèse chapitre 18, au premier verset, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux
Et regarda, et voici trois hommes de, étaient debout près de lui. Combien d'hommes? Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, il avait dit combien d'hommes? Trois hommes. Et quand il les voit, il dit, Seigneur au singulier, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Notez bien. Abraham ne les a pas tous appelés, ne les a pas appelés Seigneur. Ne les a pas appelés Seigneur au pluriel. Et il les a appelés Seigneur au singulier. Ce qui veut dire, il s'adressait à l'un d'entre eux. Et l'un d'entre eux, à qui il a appelé Seigneur, c'était Dieu Elohim. C'est-à-dire, ce qui montre que parmi ces trois hommes, il y avait Dieu Elohim et des anges qui étaient à ses côtés. La Bible montre clairement que l'un d'eux, c'est-à-dire Dieu lui-même, il resta avec Abraham. Et il révéla le secret caché dans le cœur de sa femme Sarah. Et aussi il révéla à Abraham ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Et les deux autres hommes, c'est-à-dire les anges, les deux anges, et sont allés directement à Sodome et Gomorrhe pour faire quoi? Ils ont été envoyés là-bas pour détruire la ville. Mais quand ces deux hommes sont arrivés à Sodome, ils ont été accueillis par Lot et sa famille. Et vous savez, le grand péché qui était à Sodome et Gomorrhe, c'était le péché de l'homosexualité. Comme vous ne le savez pas, la Bible va le démontrer. C'est ça le péché pour lequel Dieu a envoyé ses deux anges pour détruire ces deux villes. Et vous verrez que c'est l'image dans l'image des choses qui arrivent actuellement. On parle aujourd'hui de mariage gay. La Bible dit dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, les deux anges, maintenant au chapitre 18, c'était deux hommes, maintenant au chapitre 19, ils sont des anges. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se prosterra la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, les deux anges, Seigneur, avec la lettre minuscule. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous leverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit
dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'il vint chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Entourèrent la maison de Lot. Depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, écoutez bien, nous sommes au verset 5, Genèse chapitre 19. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. C'est-à-dire pour que nous couchions avec eux. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Elle dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre sur mon toit. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-les sortir, nous voulons les connaître. Et depuis les enfants jusqu'au vieillard, ils voulaient avoir des relations avec des hommes. Des hommes ayant des relations avec des hommes. C'est pourquoi l'autre leur a dit, ne faites pas du mal à ces hommes. J'ai des filles qui n'ont pas conduit d'hommes. Je vais vous les faire sortir et vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais seulement, ne touchez pas à ces hommes parce qu'ils sont venus se réfugier sur mon toit. Il parlait de l'autre. Celui-ci est venu comme un étranger. Et vous savez que l'autre était allé là-bas comme un étranger. Quand ils se sont disputés avec Abraham, Abraham lui a dit, je ne vais pas me quereller avec toi. Parce que toi tu es mon sang. Je te demande de chercher seulement l'endroit que tu plais. Va là-bas. Moi je prendrai le second choix. Les enfants de Dieu prennent le second choix. Si vous voyez un enfant de Dieu, on a mis une boule de viande dans l'assiette. Avant qu'on ait terminé la prière, toi-même n'a pas encore commencé. N'est pas un enfant de Dieu. N'est pas un enfant de Dieu, il attend que les autres prennent pour qu'ils prennent le dernier choix. Mais les enfants de Dieu, 5 personnes, 3 viandes. Vous allez faire quoi? Même vous savez que, non, comme nous sommes 5, comme il y a 3 boules, bon, d'une manière générale, si nous pouvons nous diviser, nous partager même
demi-demi, ça fait. Boa mungé le wame jimwim. Bantu batana bade bamento. Murima bulumi galana satu. Pren toi intense jimwa babidi, jimwa babidi. Mais quand vous voyez on termine trois boules, vous vous prenez encore toute une boule, toute une viande de trois scènes. Et pas rien. Basangana bambani. Amen. Le message corrige la manière que nous devons vivre dans la société. Mokenji, udulongese bantu ni mushindu wa kusomba ni binabu. Nous, quand on a grandi avec les vieux comme notre vieille qui est ici, notre vieille encore qui est là-bas. Quand il y a des choses comme ça, nous nous mettons à l'arrière-plan. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qui reste là, c'est ce que nous allons prendre. Mais aujourd'hui, avant que les vieux ne touchent la viande, l'enfant... Bon, ça c'est l'évangile de la pauvreté. Nous continuons. Il dit, retire-toi. Toi tu es un étranger. Celui-ci est venu comme un étranger. Il veut faire les juges. Et bien, nous te ferons plus qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent avec les mains les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Bantu bonso bavumwa bakutwa jile kubana toni kubanunu mumushindwani bakavubenda babubuta kabayimwa kuheta chibito. Les hommes dirent à Lot, ces hommes là, ki baluma babidia, les anges, banje lo abukwambile lotene, qui as-tu encore ici? Chinganyi chine chukwa buchudi nachi munemu, gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Nonkwe niudi ni baku babe. Car nous allons détruire ces liens. Parce que l'écrit contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Et ce même péché qui a été à la base de la destruction des villes de Sodome, ou bien c'était les villes de la vallée du Jourdain. Sodome et Gomorrhe. Donc, pécate wa momuma wa bwenu fikishile nzambi bwa kumona mwa kubutula bimenge bifikalandia mu madia yaden chimenga cha Sodome ni cha Gomorrhe. C'est donc le même péché qui sera à la base de la destruction de ce monde. Ni chikala pécate wa momuma wikala mwa kufikisha nzambi bwa kubutula bulobebo. Et au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine, dans la ville. Et comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Non, quem, qui muka vulote ni muka jenda bajanguluka, qui banje lukuba kwata kubian, et kuye nabuto kuba lola mumusok, boalu yeho kavumusok kuba butula bobuto. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Non, quem, Bamana kubuloka mumusoku kiumoko banje lokumwambile ni nonkwem kuimenyito kutinguluko nashihanyi mato lubakana nyema lubilu uyuka soka mumusoku bwakulukubutuka. Mais pendant que l'autre commençait à courir pour arriver à la montagne, kariyo vuloto unyema lubilu mutangile kumukuna derrière lui hanyima hen le feu a commencé à s'abattre
sur Sodome et Gomorrhe. Et l'autre a compris avant que tu arrives à la montagne, je sais. On se met avec ma famille. C'est alors qu'il va s'adresser à l'ange. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent. Et je périrai. Voici cette ville qui est assez proche pour que je m'y réfugie. Et cette ville est petite. Que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. L'ange lui dit, voici, je t'accorde encore de cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Hâte-toi de te sauver là. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce qu'il t'y soit arrivé. Et c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Quand Jésus vint sur la terre, est-ce que vous êtes avec moi? Il s'est référé à cet événement. Il s'est référé à cet événement. Et il a dit dans Luc chapitre 17, verset 26. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour où le Fils de l'homme, au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire le Fils de l'homme quand il viendra. Est-ce que vous êtes avec moi? Il viendra à la manière où les gens ne s'attendront pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne viendra pas à vos manières. Il ne viendra pas à la manière dont vous pensez les choses. Quand il vient à ce moment-là, même les pharisiens ne comprenaient pas ça. Et le souverain sacrificateur, il pensait que quand Messie viendra, il descendra sur un corridor céleste et se dirigera tout droit vers Caïphe, le souverain sacrificateur, pour dire que c'est moi le Messie qui doit venir. Alors il devait se diriger au temple. Hosanna. Hosanna. Gloire à Dieu. Le béni, notre Messie est venu. Le voici. Pour tous les Sadducéens. Pour tous les Pharisiens. Venez ici. Adorez-le. Parce qu'il est venu à la manière que nous pensons qu'il pouvait venir. Ah. Mais avec les petits peuples qui vivaient à ce temps-là, qui avaient reconnu la présence du Messie, ils se réjouissaient. Ils disaient, bon, le royaume des cieux, le ciel est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Alors les pharisiens se disaient, ah, le royaume des cieux,
au milieu de nous. Non. Il faut chercher ce cas-là, on doit lui poser cette question. Ça, nous sommes dans Luc chapitre 17. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume des cieux, le royaume des cieux. Jésus leur répondit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et il dit aux pharisiens, on vous a dit que le royaume de Dieu, le Dieu est là-bas et vous y êtes allés. Le royaume de Dieu est de l'autre côté, vous y êtes allés. À partir d'aujourd'hui, on vous dira pas, le royaume est ici, le royaume est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pendant qu'on disait ça aux pharisiens, que le royaume de Dieu est au milieu de vous, ils ont commencé à regarder tout autour pour voir le royaume de Dieu. Ils n'ont pas vu le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu était déjà devenu homme sur la terre. Mais qui devait reconnaître cela? Parce que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Oh, c'est pour cela que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ont été aveuglés. Alors que l'ange de Dieu était à Sodome avec un message, hâtez-vous, vous sauvez là. Parce que je ne détruirai pas les villes jusqu'à ce que tu entres à Tsoa. Si Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a pourvu un endroit de sécurité, un endroit de refuge, Tsoar, qui veut dire en hébreu la petite, la faiblesse. Et je crois qu'au temps de la fin, quand le Fils de l'homme entrera sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour ceux qui peuvent être épargnés du jugement, Dieu nous a envoyé un glorieux message avec un ange de Dieu, du nom de William Marion Branham. Alléluia. Amen. Et si vous croyez ça, vous croyez son message, vous êtes à Tsoa. Parce qu'à Tsoa, il n'y avait pas eu de feu. Parce qu'avant que Dieu envoie le feu, il doit vous envoyer un avertissement. Et un avertissement, c'est l'ange de Dieu, le prophète. Il nous a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, le jour où on va tout détruire. Les dénominations pensaient qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Non, j'ai avec moi le dernier livre des grands théologiens. Même Ndini mukanda wa chibat mufunda kudi bangondo la mifundo bari bayila malu anzambi. Que tu dis sur Malachi 4. Bavu balonga mvense wa mumalaki na. Avant Scofield disait que c'était Jean-Baptiste. Kumpala Scofield wambileni Elia ufu malaki ufu ikalangana yona mubatizi. Et ce n'était pas Jean. Ils ont dit non, parce que quand Jean est venu, le monde n'a pas été détruit. Alors, ce n'est pas Jean, il doit y avoir quelqu'un. Et ils ne savent pas ce quelqu'un, mais nous sommes un peuple privilégié, parce que nous connaissons ce quelqu'un qui viendra accomplir Malachi 4.
Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Il est venu avec un message, un message de délivrance. Et nous tendons vers le temps du soir où les ombres de la mort sont en train de planer sur la terre. Mais Dieu a besoin de gens, besoin de femmes qui peuvent être sauvées sans passer par la repentance. Parce que vous savez que la repentance prend peut-être parfois des temps. Ce n'est pas ça. Qui est pas ça. Oh Seigneur, j'ai volé. Pardonne-moi, c'est fini. J'ai volé la chèvre d'autrui. Je l'ai déjà vendu, j'ai mangé l'argent avec ma femme et mes enfants. Seigneur, pardonne-moi, c'est fini. Non. Tu vas d'abord aller voir celui à qui tu as volé. Tu vas lui dire, j'ai volé ta chèvre. Je l'ai vendu, j'ai pris l'argent, j'en ai bouffé. Mais permettez-moi d'aller travailler pour que je puisse trouver cet argent afin de vous payer votre chèvre. Là, vous commencez à travailler. C'est ça, non? Vous travaillez aujourd'hui, on ne va pas vous payer aujourd'hui. Il faut attendre peut-être un mois. Et le premier mois, on dit non, c'est une phase expérimentale. Vous êtes d'abord dans l'expérimentation. 6 mois d'expérimentation avant de toucher votre salaire. Nous retournons maintenant à l'évangile de Luc. Dans peu de temps, je termine. Quand Jésus fut crucifié à la croix, la Bible montre dans Luc chapitre 23 où nous avons lu que Jésus était crucifié ensemble avec les deux malfaiteurs. L'un à gauche, l'autre à droite. Alors il y a eu combien de croix? 3 croix. Mais le prophète dit, là-bas au calvaire, il n'y avait pas 3 croix. Au calvaire, il y avait 4 croix. Vous avez oublié une autre croix. Quelle est cette croix? Ce n'était pas sur la colline du calvaire. Cette 4e croix n'était pas sur la colline du calvaire, mais était dans la vallée du calvaire. C'était la croix de Judas Iscariote. Parce qu'il a été pendu au bois de Sycomore. 4 croix. Et le prophète dit, à la croix, il y avait Dieu. À la croix, il y avait Satan. À la croix, il y avait un ingrédient, un pain, un incroyant. Et à la croix, il y avait un croyant. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est allé à la croix parce qu'il venait du ciel. Il peut mourir à la croix en fait retourner au ciel. Et Judas Iscariote, il est venu de l'enfer. Il est le fils de la perdition, c'est-à-dire le fils de l'enfer. Il est venu à la croix pour mourir afin de retourner à l'enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham a dit, Jésus était Dieu incarné et Judas était le diable incarné. Mais à la croix, il y avait des possibilités. Des possibilités. Soit d'aller en enfer, soit d'aller au ciel. Mais qui voudra-t-il aller en enfer? Qui voudra-t-il aller en enfer? Et qui voudra-t-il aller au ciel? C'est alors que nous avons eu des malfaiteurs à la croix. La Bible dit, ils ont dit, pour nous c'est justice. Parce que nous avons mérité ce que
que nous avons commis. Même maintenant, nous avons parlé de l'attitude que l'être devait avoir autour de Jésus, au sujet de Jésus. Luhand, Luvulula, il a coulé, il a voulu. Il a regardé Jésus en face. Là, toi, tu es un imposteur. Si tu es le Christ, sauve d'abord toi toi-même. Et après, sauve-nous. Alors, nous croirons que tu es le Christ. Et l'un d'eux qui avait le même sort avec le même péché, il a regardé cet autre brigand. Il a dit non, pourquoi tu parles comme cela? Toi et moi, nous savons ce que nous avons fait et nous méritons ça. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Il a regardé. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, dans ton règne. Et Jésus est retourné. Il a regardé. Il lui a dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Montrez-moi. Quand ce pécheur se malfaisait, s'est repenti pour aller au ciel. Mais comme il y avait urgence, il devait se hâter. Il devait se hâter pour se sauver lui-même. Alors quand Dieu l'a regardé, il a dit que cet homme ici, pour qu'il soit sauvé, d'abord il est malfaité. Je ne sais pas combien de choses il a volé. Pour restituer ces choses-là, il n'en a pas encore. Il devait aller faire le travail pour payer à ces choses qu'il a volées. Ça lui prendrait peut-être 2 ans. Ça lui prendrait peut-être 4 ans. Mais maintenant, il y a une urgence. Il y a une hâte. Alors il a regardé le péché. Il lui a dit, ce soir, tu es avec, tu seras avec moi dans le règne. C'est-à-dire, cet homme, dans cette urgence, il a eu le salut. Il a contourné la procédure de la repentance. C'est pourquoi ce soir, moi je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tout ce dont tu as besoin. Je ne connais pas par quoi tu es passé. Mais si tu crois le message, ce soir, Dieu va te faire une chose en contournant toute la procédure. Ce soir, si tu es malade, je ne dis pas que tu ailles au médecin. Ce soir, tu peux déchirer votre fiche médicale. Parce que nous sommes malades. Nous sommes dans une urgence. Dieu est obligé ce soir de contourner toute la procédure, de donner le baptême du Saint-Esprit, de donner la guérison. De donner tout ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une urgence? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans une urgence? Asseyez-vous. Je demande s'il y a quelqu'un dans l'urgence. Quelqu'un qui n'a jamais rencontré Christ. Mais tu peux le rencontrer maintenant même. Dans les eaux de baptême au nom de Jésus Christ. Pour qu'il devienne votre sauveur personnel. Et vous, sauvez de votre vie pécheresse. Et vous délivrez de tous les
démons que vous avez subis. Si cette personne, alors que je vous demande d'incliner les têtes, qui est venu pour la première fois, qui a besoin que Dieu contourne la procédure à son sujet, peut-être pour son salut, peut-être pour sa guérison, peut-être pour un problème rebelle, mais qui voudra d'abord dire à Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que ce soir, je vais me faire baptiser. Y a-t-il cette personne qui lève la main? Mon frère, mets-toi debout. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Mon frère, mets-toi debout. Est-ce qu'il y a encore une sœur qui voudra abandonner sa vie à Jésus-Christ? Qu'il se tient de passer devant ici. J'ai besoin de vous. Rejetez votre temps parce que les jours sont mauvais. Dieu est capable de contourner la procédure normale des choses. Oh mes amis, l'État est en train de faire pression. On ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Action sur les fils fragiles, les fils de la vie qui peuvent se casser à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Rachète ton temps ce soir. Ne remets pas ça au lendemain. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous réserver le lendemain. Dieu connaît votre cœur. Il connaît votre vie. Il a besoin de votre âme. Il est là pour un péché repentant. Il est descendu à la croix pour te prendre dans ce bourbier où tu es. En fait, de se faire paraître devant les hommes comme faisant partie de son économie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Laissez-moi trop de mouvements à la chair. Évitez trop de mouvements à la chair. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Pendant que le Saint-Esprit est en train de roucouler dans votre cœur, et qui a besoin de votre âme, qui a besoin de votre salut, pour prouver que ce message est la vérité. Nous, on ne fait pas la publicité de Dieu. S'il est Dieu, il peut accomplir des choses par lui-même. Et nous sommes témoins de ce qu'il a fait au milieu de nous. Venez écouter et sentez que l'Éternel est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue le prophète dans ce temps de la fin, comme un avertissement pour ceux qui veulent se sauver. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Une sœur qui voudra abandonner tout, abandonner la honte. La Bible dit, c'est lui qui aura honte de moi ce jour-là. Mon frère vient ici. C'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi j'aurai honte de vous quand je serai présent devant le trône de Dieu. Prenez position pour Jésus-Christ. Oui, c'est l'auteur de notre vie. C'est lui qui détient notre avenir. Il connaît ce que nous pouvons être demain, ce que nous serons le lendemain. Son avenir, c'est ce qui nous intéresse. Nous n'avons pas ce pouvoir. Mon ami, que Dieu te bénisse. Pas même une sœur. Pas même ministère. Seigneur, tu as dit que dans ton royaume, il y aura des sœurs, il y aura des frères qui chanteront les hymnes de gloire, qui seront revêtus de la puissance de la résurrection de Christ, qui témoignent partout qu'il est vivant. Et parce que lui-même il vit, nous aussi nous vivrons. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Le moment est arrivé. N'aie pas honte de Christ. Ma soeur, profite de cette occasion. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Si vous lui abandonnez votre âme, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu peut aussi être sérieux avec vous. Quelle est votre part dans cela? Quelle est votre part dans le salut qu'il vous a accordé gratuitement? Car Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? J'ai besoin encore de quelques sœurs qui doivent être comptées dans l'économie de Dieu, qui n'ont pas honte de Christ, mais qui veulent abandonner toute leur vie ancienne pour s'abandonner entièrement à Christ qui est le souffle de leur vie. Oh, j'appelle encore. C'est pourquoi il y a encore le Saint-Esprit à vous donner. Si Dieu avait terminé son appel, il nous aurait privé de son Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est pour quiconque croit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je sens dans mon esprit qu'il y avait encore des personnes. Et cet esprit atteste qu'il en est la vérité, qu'il en est ainsi. L'esprit atteste qu'il en est ainsi. Il y a un grand combat qui se déroule maintenant. Le conflit entre Dieu et Satan. Mais si vous avez encore le raisonnement, oh, ces gens ici, ils adorent Branham. Nous n'adorons pas Branham. Branham est notre prophète. C'est lui qui nous adorons. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute éternité, le Rédempteur de tous les âges. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. C'est lui qui nous glorifie, que nous glorifions. Y a-t-il encore quelqu'un? La Bible dit, la Bible déclare, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez sa voix. Pourquoi endurcir votre cœur comme Pharaon? Pharaon, en endurcissant son cœur, il s'est retrouvé noyé là-bas dans la mer rouge. Y a-t-il encore quelqu'un? J'ai dit que l'esprit atteste dans mon cœur qu'il doit y avoir deux personnes qui ont besoin de Christ pour leur survie. Et j'ai besoin de ces deux âmes-là. Parce qu'une seule âme vaut 10 000 mondes. Y a-t-il encore quelqu'un? Homme ou femme? Qui voudra tout abandonner, abandonner le prestige social, abandonner la mondanité, le standing social, pour se rapaisser afin d'être prisonnier de Christ, pour que Dieu puisse vous utiliser, pour que vous soyez l'instrument de Dieu entre ses mains? Y a-t-il encore quelqu'un? Alors que je demande à la chorale tonneur d'animer, de commencer à brombir un acte approprié. Je demande aux serviteurs de Dieu de passer ici à cet hôtel sacré et de prier pour ces âmes en leur imposant les mains. Maladie dans leur corps, sauter ces maladies de leur corps et qu'ils reçoivent la guérison juste avant d'entrer dans les zones de baptême. Les habits de rechange sont déjà prêtés. Les os sont derrière nous. Ici derrière, les habits de rechange sont derrière. Ne manquez pas cette occasion. C'est le moment où vous devez prendre la dernière décision qui sera comptée dans les annales sacrées de Dieu. Alors que je demande de vous retourner, je retourne le micro au pasteur. Ina ya Yesu, ina ya Bachebo.